Yomena-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire du coup les news de la semaine. Donc nouvelle news de la semaine, nouvel épisode, et cette fois-ci ça va être complètement dédié à DC Comics. DC Comics, DC Films, Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery, enfin bref. Tout ce remue-ménage dont on parle là depuis plusieurs jours maintenant. Donc on va se lancer tout de suite. Bon, déjà le premier truc qu'on peut dire, on va dire que déjà le premier truc qui nous avait marqué déjà il y a plusieurs semaines maintenant, il y a quelques mois, on en avait parlé forcément, c'était l'annulation de Wonder Twins. Ça c'était le truc déjà que. Oh, ça t'a plus marqué que moi parce que. Non. Mais c'est le pro. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le premier événement qui nous a fait dire ah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il commençait déjà à annuler, c'est là que ça a vraiment commencé, oui, le délire de « on annule des projets ». Non, c'est parce que ça a commencé là. Ouais, le délire est arrivé, l'idée avait avec le précédent régime. Voilà, c'est ça. Et quand David Zaslav et puis tout de Discovery quoi, sont arrivés en place, c'est le premier truc qui a sauté, tu vois. On a dit « ah okay. ». Alors au début, on se rendait pas compte, on s'est dit « bon, c'est peut-être un projet qui saute, comme ça, mais voilà ». C'est juste de la logique. Sur le moment. Oui, on pouvait se dire ça aussi, mais on s'est dit, bon, c'est le premier truc qui saute. On n'en a pas trop fait de cas. Ensuite, là, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on apprend? Que Batgirl saute aussi. Ah, ça, par contre, je m'y attendais pas du tout. Alors ça, voilà, ça a pris tout le monde de court, parce que pour le coup, contrairement à Wonder Twins, que bon, tout le monde, comme tu dis, tout le monde s'en foutait, puis en plus de ça, c'était un truc qui était même pas rentré en production. Ça, pour le coup, c'est un truc qui était vraiment rentré en production. Non, c'était en post-production. Là. Ouais, mais en post-production. Le film était bouclé, il faisait... Voilà, c'est ça. Donc, là, pour le coup, tout le monde a été surpris. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, pas de sortie ciné, pas de sortie sur HBO Max, niet, nada, rien, que dalle. Voilà. Voilà, alors du coup, bon, c'est... Il y a eu plusieurs réactions parmi les gens. Je dirais que la grande majorité des gens disent bon débarras, quand même. En général, j'ai l'impression que pas mal de gens disent bon débarras. Moi, perso, je pense bon débarras, parce que de base, je m'en foutais du projet, et puis ça, sur papier, ça ressemblait à rien. Mais même s'il y a des gens qui se disent bon débarras, le sentiment commun, c'est what the fuck quand même. Couper un film comme ça alors qu'il n'est pas fini. What the fuck? Non, mais je veux dire, parce que personne c'est quand même salaud. Comme tu dis, tout le monde, personne s'y attendait, tu vois. C'est quand même salaud dans la façon de faire, c'est salaud. Enfin, j'ai rarement vu un truc comme ça. Quoi. C'est genre, t'es en post-production, 90 millions sur la table, allez, rien. Même pas t'essayes de le sortir en direct ou DVD, ou en direct ou Blu-ray, ou je sais pas, en VOD, ou sur un site de. Enfin, sur HBO Max, rien. Du coup, c'est ça le plus choquant. En fait. Du coup, en gros, ce qui ressort, bon, déjà, on va parler des trucs autour des. Apparemment, autour de l'argent que gagnerait Warner Bros. Discovery à supprimer pas mal de projets, tout ça. Donc, voilà, ceci explique cela aussi, tu vois. Voilà, au final, ils vont ressortir gagnants de tout ça sur le plan financier. Oui. Premièrement. Et deuxièmement, apparemment, voilà, les bruits qui circulent sur Internet, c'est que. C'est clairement ce que David Zaslav a dit, de toute façon je vais lire une bonne partie de ce qu'il a dit. C'est qu'apparemment il ne croyait pas en ce projet quoi. Apparemment il y a pas mal de gens chez Warner Bros. Qui ont vu le film, ils ont même fait des screen tests apparemment. Puis les retours étaient pas ouf. Et Warner Bros. Était même convaincu que en gros c'était de la merde quoi. apparemment c'est ce qui ressort. Et c'est pour ça qu'à un moment donné il dit maintenant on va faire en sorte de sortir que des films en lesquels on croit. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ouais. En gros, ça veut dire Batgirl, on n'y croyait pas, c'était la merde. Parce que, tu sais, ils étaient passés, au départ, ils voulaient sortir sur HBO. Ouais. Après, ils ont voulu en faire un film cinéma. Ouais. Ce qui veut dire qu'il fallait faire des reshoots et tout pour que ça colle en un film. Ouais. Mais apparemment, c'était un bloubi-boulga qui commençait à ressembler à rien. Des bruits qui sont ressortis. Ouais, bon. Et du coup, pour vraiment qu'on finaliser le truc et en faire un truc qui pouvait tenir au cinéma, il aurait fallu encore rajouter de l'argent, tu vois. Et puis là, en gros, ils disent bon, on en faut que. Et c'est pour ça qu'ils l'ont viré, en plus des raisons financières. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, moi personnellement, le projet va pas me manquer. Non. Je veux pas dire en mars où est Batgirl. Non, moi, c'est juste la façon de. Enfin.
comment les mecs étaient perdus avec le projet, moi ça me sidère. On passe de HBO ouais. Max à ciné, que tu saches pas, que tu saches pas comment monter le truc pour tel ou tel média. Ça me, ouais, ça mais me laisse sur le cul, mais total. Ouais, mais ça, encore une fois, c'était les précédents gars. Oui, non, mais ça me sidère toujours autant. Oui, mais on les connaît. Les... Non, mais ça me sidère. On sait comment ça marchait. Non, mais ça me sidère. On sait comment ça marchait. Ça change pas le fait que ça me sidère. Et puis, au-delà de ça, non, j'avoue que je trouve ça quand même salaud pour les gens qui ont bossé le truc. Sur eux qui ont bossé sur le truc. Ah non, mais... C'est pas les premiers, à qui ça arrive, ça, malheureusement, à Hollywood... Mais que ton film soit axé comme ça, en post-prod. Ah, c'est pas courant. C'est pas courant que ça arrive, en pré-production, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit avant, là, c'est en post-prod, tu connais ta date de sortie et tout, axé comme ça, même pas on te le sort en streaming. Oh, arrête. Ah, d'accord. Non, bon. C'est chaud. Ouais, bon. C'est chaud. Ouais, bon. On veut pas. Ah mais non, mais moi je trouve ça juste je trouve ça juste triste pour certains. Au-delà de ça, après. Oui, je m'en fous du projet. Hein, tu sais. Non, je suis assez d'accord. Après, voilà. Ouais, quitte à axer d'autres après, idées. Voilà. D'autres idées, moi je dirais. Après voilà, la question à se poser aussi, c'est si ils sont vraiment convaincus que c'était de la merde. Vraiment que ils ont regardé le film, les Zaslav, ouais. Maintenant même Alan Horn qui est là-bas maintenant, ouais. Et tout, ils ont regardé le film, ils disent non, ça va pas du tout. Mais ça veut dire à quel point c'était à chier. Non, on peut pas sortir ça. À quel point c'était à chier. En plus de ça, parce que des films de merde, le truc, encore une fois, le truc auquel il faut réfléchir, c'est que il fallait qu'ils suppriment apparemment plein de produits et tout pour les taxes. Donc ils ont regardé ça, ils ont dit non. Si on sort ça, encore une fois, ça va encore être la honte, tu vois. Ça va encore mal parler sur notre enseigne. Mm-hmm. C'est pas bon. Moi, je pense que le NIP, parce que bon, les tests screen, test screening, tout ça, on les connaît. Il y a des fois, ils ont dit qu'il y a des films qui étaient exceptionnels, alors qu'à l'arrivée, ça n'a pas convaincu. Non, là, pour le coup, c'était pas le cas. Voilà, justement. Mais c'est plutôt le contraire. Enfin, justement, il y a des fois, les trucs, ils ont les tests screenés, ils sont pas ouf, et puis au final, c'est un succès critique. Bref, c'est aléatoire. Non, c'est aléatoire, parce que les mecs de studio, et des fois, ils ont des avis, tu vois, c'est qu'ils sont pas en accord avec ce que les gens pensent aussi. Si c'était vraiment à chier à ce point-là, on est sur un truc, mais retentissons alors. Retentissons. Après, je pense que ouais, ça devait être pas en accord avec les derniers trucs qu'ils ont sortis. Parce que là, ils sont sur une assez bonne lancée sur les derniers films qu'ils ont sortis ces derniers mois et ces deux dernières années. Donc, je pense que c'était vraiment le truc qui faisait tâche à côté des autres. Mais personnellement, je me refuse à croire que c'était aussi à chier que ça. Parce que il y a des trucs bien pires qui sont sortis dans l'industrie ces dernières années. Il y a des trucs qui sont sortis deux fois au cinéma cette année même. Il y en a qui sont beaucoup plus à chier. Enfin, qui sont certainement beaucoup plus à chier. C'est juste que, ouais, voilà, c'est genre dommage collatéral, fallait supprimer un truc. Et puis voilà. Je refuse de croire que c'était à chier au point. Non, mais parce que là, on est sur des trucs. Auparavant, ils ont sorti des grosses bouses. Moi je pense que c'est parce qu'ils y croyaient pas. Non, c'est juste parce qu'à la base ils sont arrivés, ils se sont dit ouais bon déjà on n'est pas fan du truc. Et en plus de ça, il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'ils ont. Je pense après. Alors on n'est pas dans les couloirs, on n'est pas non plus avec eux, hein, mais je pense aussi que c'est par rapport aux idées qui avaient été incorporées dans le film. Ramener Michael Keaton, donner plus ou moins, parce qu'en gros Bad Girl c'était plus ou moins le premier film post-Flashpoint, reboot, machin et tout. Je pense que c'est aussi pour faire du ménage là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Déjà. Voilà. Je pense que c'est lié à tout ça. Non, mais... Tu vois, ils ont regardé le truc, ils ont dit oh là. Non mais ils ont dit mais c'est encore un truc un patchwork. Mais déjà c'est pour ça, ils ont raison de le cuter. Enfin, ils ont aussi raison de le cuter maintenant. Et si tu sors ce truc là alors que c'est censé être un post reboot, le film qui est censé rebooter le machin, tu le sors pas en premier. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Tu vois, les gens ils vont voir J.K. Simmons en Gordon, ils vont voir Michael Keaton en Batman. Oui.
sais, ça apporte la confusion, ouais. Ça apporte... On a pas trop dans le film, on parle de Supergirl, il y a déjà, y a, je pense qu'il y a peut-être Black Canary du film Birds of Prey dedans. Ouais. Tout ça, si t'as vu les derniers films, tu te dis, non mais comment ça marche ce bordel. Voilà. Mais si, ça aurait mieux marché si t'avais eu Flash avant, mais bon, Flash... Voilà. Donc bon voilà, donc en tout cas voilà, bon bah Batgirl il est supprimé, bon voilà, il y en a certains qui font un hashtag save the Batgirl ou je sais pas quoi, bon, ouais, ça va. Bref, internet, et bon bah voilà, hein, donc bon, bref, ça en tout cas on s'en fiche, donc après, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah du coup Zaslav apparemment, bon, du coup, il a eu un appel pour les investisseurs et tout, ouais. Bref, pour Warner Bros. Discovery, et il a fait part de pas mal de volonté, pas mal de souhaits, ouais, pour le futur de Warner Discovery et pour le futur de DC Films, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Mmh. Et du coup, voilà, par exemple, première chose qu'il a dit, c'est quand vous regardez Batman, Superman, Wonder Woman et Aquaman, ça, ce sont des personnages, des marques, des licences que les gens reconnaissent. Donc, en gros... voilà, on a restructuré, en gros, DC Films, DC Studios, bon, on verra, pour justement que nous puissions nous concentrer sur ces marques, sur ces produits, sur ces personnages. Voilà. Donc, ce qu'il veut faire, c'est créer, en gros, un studio DC, parce qu'en gros, c'est ce qui est prévu, hein. Créer un studio DC, bon, on n'a pas encore le nom, mais voilà, pour lequel ils vont former une équipe. Qui composera l'équipe, qui sera à la tête de l'équipe, tout ça, on ne sait pas encore, on n'en est pas encore là, mais bon, bref. Composer une équipe qui aura un plan sur 10 ans. Sur 10 ans. Oui. C'est pas rien, quand même, sur 10 ans. Donc, créer une équipe qui aura un plan sur 10 ans. Bon, à la base, leur DCU, c'était un plan sur 10 ans. Oui, mais bon, quand tu vois à quel point il n'y a rien, parce que... Ah oui, non, mais à la base, le vrai DCU, il y avait un plan de 10 ans. Oui. Ils avaient un organigramme, ils avaient une frise. Hein. Oui. Eh ben, après, ils sont foirés, point. Mais ils avaient un plan sur 10 ans. On va pas commencer à dire qu'ils n'avaient pas de plan à la base. Le plan était foireux, certes, mais ils avaient un plan. Donc voilà. Donc voilà. Et puis en gros, bon, il a aussi alimenté en disant que lui, ce qu'il veut, en gros, c'est créer un système qui ressemble énormément à celui qu'ont créé Bob Iger, Alan Horn, avec Kevin Feige chez Disney pour Marvel Studios. Donc voilà, hein, donc on comprend ce qu'il veut dire par là. Bien sûr. Et voilà, il veut miser sur la qualité, ne plus sortir des films s'il juge qu'ils ne sont pas prêts ou que ça va pas. Voilà, parce qu'il a dit, de toute façon, notre rôle, c'est de faire grandir DC Comics, parce que j'ai la conviction qu'on peut faire grandir DC Comics. Voilà, on peut faire grandir les personnages DC, et notre job, c'est aussi de protéger DC Comics, l'image de DC Comics au cinéma. Il sera pas qu'au cinéma, d'ailleurs, j'imagine. Tout court. Voilà. Tout court. Voilà. DC Comics, tout court. Il n'y a pas qu'au cinéma, c'est protéger l'image de DC Comics et de leurs personnages, voilà, tout court. J'imagine à la télé aussi, parce qu'apparemment, il y a des rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé, là, à cette heure-ci, que la série Gotham Knights serait annulée. Ouais, j'ai vu ça. Bah, de toute façon, pour moi, Gotham Knights et Green Lantern, les deux trucs, ils sont annulés. Logique. Pour moi, Gotham Knights... Bon, pour des raisons évidentes... Pour des raisons évidentes, hein, le trailer s'est tellement fait taper dessus que là, franchement, il faudrait avoir du toupet pour sortir le pilote. Mais l'idée est tellement abracadabrantesque que c'est pas la peine de sortir le machin. Là, le bousin, si t'es là, tu cut Batgirl, mais tu vas sortir Gotham Knights sur HBO, là, enfin sur telle plateforme. C'est suicidaire. CW. Ouais, c'est suicidaire comme truc. Voilà, CW d'ailleurs, que apparemment Warner Bros. Discovery voudrait vendre. Ils voudraient vendre la CW, ouais. Apparemment. Ils veulent se débarrasser de ça. Oh, bah, toute façon. Bah, c'est pour ça qu'il y a pas mal de séries là, car même Flash, Flash, ils disent dernière série, en plus abrégée. Dernière saison. Dernière saison, je veux dire, et puis en plus abrégée. Oui, bah, apparemment 9 épisodes ou une connerie comme ça. Bah, oui. Voilà. Ils ont bien cut. Hein. Parce que, wow. C'était toujours sur l'ancien format de 20 épisodes. C'est bon, tant mieux. Donc voilà. Bon, on en a assez. Donc, on a assez vu du... Donc clairement terminé. Donc là, le seul vestige, ça va être Superman et Lois maintenant. Mmh. Bon, ça, il y a moyen pour que ça finisse sur HBO, j'imagine. Mmh. Donc voilà. Bah écoutez, moi quand j'ai entendu tout ça, bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben oui.
Évidemment, surtout vu comment il commençait, quand il dit quand tu regardes Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ça, ce sont des personnages sur lesquels en gros il faut miser, parce que ce sont des personnages que les gens, la majorité, grande majorité des gens reconnaissent, bah tu dis bah oui, bah bien sûr. Surtout Batman, Superman, Wonder Woman, parce qu'encore Aquaman, bon. Mais Aquaman, il reste quand même reconnaissable malgré le Il fait que. est reconnaissable maintenant, c'est vrai, parce qu'il a eu un film qui a fait le milliard, Oui, mais les gens se sont déplacés pour aller le voir et mais tout. après, c'est pas comme si les gens n'avaient jamais connu le personnage aussi. Même si c'était un mème, quoi que ce soit, le personnage était quand même connu. Il est plus Oui, connu bon, que, que certaines c'est têtes vrai, d'affiche oui, depuis les de. Super Friends et tout, Voilà, il bon, est c'est plus connu vrai, que certaines têtes d'affiche du MCU actuel. Non, c'est vrai. Puis en Je plus, vois ce que tu veux il dire, je aurait vois ce pu que tu veux rajouter dire. Green Lantern et Flash, tu vois, là, c'est vraiment la quintessence du truc, les gens que tout le monde connaisse, quoi. Voilà. Donc voilà, donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais évidemment, mais bien sûr, mais Zaslav, là, ce que tu nous racontes, c'est ce que la grande majorité des fans de DC disent depuis des années. Ouais, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il y a en fait d'aussi étonnant et de si révolutionnaire que ça dans ce qu'il dit? Absolument rien. En fait, c'est ce que Warner Bros. Aurait dû dire depuis des années et des décennies même. Ça fait 10 ans ça fait 10 ans que la fanbase leur dit ça quand même. Enfin, presque 10 ans que la fanbase réclame un studio propre pour les films DC, pour la propriété DC. Je sais pas pourquoi ils le faisaient pas. Tu vois, les précédents, là, les Tsujihara et compagnie, là. Sais pas. Et ça fait des années que tout le monde leur dit non mais ça serait bien qu'on ait un film Superman, non? Je sais pas. Hein? Juste comme ça. Juste comme ça. Bon après en plus le truc c'est qu'il y a d'autres propriétés qui sont encore en activité et qui ont besoin d'un reboot aussi parce que ouais, il dit Batman, Superman, bon, il vient d'avoir son nouveau film, mais après si tu parles d'un truc univers partagé à MCU, il va falloir refaire quelque chose d'autre. Wonder Woman, va falloir commencer un reboot. D'ailleurs il aurait dû falloir annuler Wonder Woman 3 là parce qu'on va pas en avoir besoin, je pense. Aquaman, bon bah voilà, faut sortir son deuxième film. Green Lantern, je pense que sa série HBO Max est annulée vu que on n'en parle pas depuis au moins 1 an et demi, un truc comme ça. Et Flash. Bah Flash, du coup, d'ailleurs, autre chose que Zaslav a dit, c'est que en gros, bon, bah du coup, là, dans les films qui doivent sortir, il y a Black Adam, non, il n'a pas parlé d'Aquaman, il n'a pas parlé d'Aquaman, justement, pas un mot sur Aquaman 2. Il a parlé de Shazam 2, de Black Adam et de The Flash, et il a dit ces trois films-là sont des films en lesquels on croit, et en gros, on va tout faire pour les améliorer d'ici la sortie, parce qu'il y a encore du temps. Donc on va tout faire pour les améliorer, les Parce qu'il peaufiner, change, il compte encore changer la date de sortie des films. Ouais, possible. Donc voilà, donc faire des reshoots, machin et tout pour améliorer les films, et puis bah les sortir quand le moment sera venu, quoi. Donc voilà, donc ces trois films-là, c'est vraiment les trois prochains films qui doivent sortir, bah puis avec Aquaman 2, du coup ça fait quatre films qui doivent sortir chez DC. Et après, en fait, on sait pas ce qui va se passer en fin de compte. Parce que maintenant que Batgirl a été annulée, après The Flash, parce que The Flash c'est le dernier, qu'est-ce qui se passe? Non mais il y a aussi Blue Beetle, on sait toujours pas ce qu'ils vont en faire de ce truc-là. Et Blue S'ils Beetle, mais sont apparemment Blue Beetle c'est un. apparemment c'est safe. Oui, et puis c'est un film apparemment qui va un peu se détacher du reste. T'sais, ça va pas être trop marqué, univers partagé Ok. et tout. Donc bon, tu sais, c'est pas comme Shazam où on te balance des Superman, Batarang et compagnie. Bah, à voir. Après, oui, c'est sûr qu'on sait pas du tout ce qu'il y a pour la suite maintenant. Puisque, en plus, on parle aussi le film, enfin, le projet Supergirl, a Alors, pris c'est pour vrai, relais aussi. y a rien d'officiel là-dessus, Voilà, par contre. ça a l'air pué du cul aussi. Mais il y a des rumeurs qui disent que Supergirl pourrait être. Parce qu'apparemment, bon, ils avaient en tête de faire un film Supergirl à un moment donné. Avec, du coup, Sacha l'actrice. Cayet, là, qui Voilà. va jouer le rôle dans The Flash. Voilà. Mais apparemment, ils seraient en train de s'éloigner de ça, quoi. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Bah, surtout que c'était une Supergirl encore qui était là pour dire on va plus ou moins remplacer le Superman du DCU, Henry Cavill, machin et tout, et la mettre elle en place. Bref, ça c'était une décision très wokistan. Mais bon, voilà, c'est. Gentil t'es qui me t'es mec, toi. J'aime bien Supergirl, mais faut pas déconner non plus. À ce point-là, tu vois. Tu vois, faut prendre les choses, enfin, faut faire les choses correctement. Lui Exactement. donner un film, pourquoi pas un jour.
Mais dans un univers où voilà, le cousin est établi en étant le super-héros numéro 1, elle est pas là dans un délire de grand remplacement. Casse-toi. Casse-toi, c'est pareil pour Batgirl, c'était pareil l'idée. Parce que c'était ça qu'ils nous avaient vendu aussi, en mode Batgirl, Batgirl, Supergirl, Wonder Woman, Aquaman, et c'était qui le dernier? Je sais plus, mais c'était eux qui devaient constituer. Ah oui, bah Shazam, qui devait constituer la nouvelle Justice League. Oui, aux côtés de Wonder Woman. Pff, ouais, c'est vrai. Le line-up le plus claqué de l'histoire, quoi. Un line-up qui est jamais vu dans les comics. Non, mais je te jure. Jamais vu dans les comics. Improbable. Parce qu'on a déjà eu des. À l'ancienne, la première Justice League, il n'y avait pas Superman et Batman. Ouais. J'aurais encore préféré qu'ils fassent un film comme ça, quoi. Sans Batman et Superman, ils arrivent après, tu vois, ça aurait été stylé. J'aurais dit, ah, c'est comme dans les comics. Ouais, c'est voilà, genre de truc à la con. Voilà, exactement. Mais Supergirl et Batgirl. Batgirl qui arrive dans la Justice League, avec quel fond? La Justice League qui est financée comment? Va te faire foutre. Qui est le leader là-dedans? Wonder Woman, j'y crois tellement pas avec son Gal Gadot. Là, tu manques de respect, Gal, quand même. Tu manques de respect. Ouais, bah, excuse-moi, son deuxième film était claqué, c'est pas elle que j'imagine en leader de la Justice League. Elle qui viole des parce gens. Parce que ce qui. Ouais, ce qui est dommage, parce que moi je l'ai toujours dit, moi je, pour le coup Wonder Woman c'est vraiment un personnage que je vois comme étant limite le personnage qui doit presque avoir l'idée de la Justice League, tu vois. Oui. Je vois Wonder Woman comme oui. ça, tu vois. Ah bah, pour apporter sa contribution oui, à l'équipe, oui. Que ce soit elle limite qui aille chercher tout le monde. Tu sais, qui essaye d'aller chercher tout le monde pour dire le monde des hommes a besoin d'une équipe pour la défendre contre une menace oui. qui arrive, oui. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, puis moi, j'ai toujours dit que moi, limite, je vois Batman et Superman comme étant les derniers qui doivent rejoindre ouais, l'équipe. Ouais. Batman, parce que fuck vos conneries voilà, de méta-humains auxquels je fais pas confiance. Ouais, et puis Superman qui est en puis mode. Puis Superman en mode, parce que ouais, moi, je peux faire le job, je peux faire le job tout seul. Hein, tu... Voilà, bah, alors, sans être non plus. Non, non, pas être condescendant, tu vois, mais. Bon, bah, travailler en équipe, c'est pas mon truc. Moi, ouais. Je compte sur moi et mes capacités, quoi. Ouais, je fais le taf tout seul, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois, ce qui est dire, plus dans ce tour-là, quoi. Puis au final, évidemment, qu'ils se rendent compte que, bon, non, là, let's go, tu vois. Ouais, Supergirl, Batgirl, Shazam. Vas-y, lui, il faut l'exclure de toute idée de Justice League, là, ça m'énerve. Donc, bon, voilà, donc... Moi, je suis c'est sûr que quand j'entends tout ça, je suis confiant parce que je pense qu'il est sans... Ah oui, au film qu'on n'a pas mis aussi là, c'est Joker 2, même si c'est pas dans le DCU délire. Joker 2 et pas Batman 2 aussi. C'est mais... comme de Batman 2. Non, mais ça c'est toujours prévu, ouais. Les dates ont été annoncées de toute façon, ouais. Donc ça bouge pas. Mais bon, oui, voilà, ça c'est en dehors du DCU, ouais. c'est autre chose. Mais ça reste les prochains voilà. films à venir. Oui. Mais, enfin, les prochains films à venir, du coup, d'ici les deux prochaines années. Oui, voilà. Bah, c'est bien ça. Après, oui, bon, si tu me demandes de savoir sur les 4-5 prochaines années, j'en sais rien. Oui, parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le coup, ça, on sait pas ouais. du tout. On sait pas ce qu'ils vont faire. Alors, du coup, bon, bah voilà, évidemment, là, on en revient toujours au truc de base, c'est qu'il y a deux solutions. Il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule. Il y a deux solutions. Il n'y en a qu'une seule. Il y a deux solutions. C'est soit Restore de Snyderverse, ou continuer, du coup, disons, dans le délire à Snyderverse. Du coup, voilà. Si ça avait été le cas, je pense qu'on aurait de gros indices. De gros, gros indices. Ah oui, non, mais bon. Parce que là, il y en a certains qui vont dire, là, en fait, c'est tout ce qui nous reste, là, en quelque sorte. Parce que là, bon, en plus. C'est vrai qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé. Là, il y a beaucoup de gens qui ont été contents de savoir que Ben Affleck va certainement faire un caméo dans Aquaman 2. Alors, est-ce qu'il fera un caméo en tant que Bruce Wayne ou en tant que Batman? On sait pas, mais bon, bref, en tout cas, il sera dedans. Ça change rien au fait, du coup, parce qu'il a toujours dit, en gros, on a toujours dit que la dernière apparition du Batfleck, ce serait dans The Flash. Mmh. Du coup, ça change rien, en quelque sorte. Mais... maintenant, il y en a certains qui disent, est-ce que ça pourrait pas mener à peut-être un film du Batfleck après The Flash ou... On sait pas. Voilà, peut-être le retour d'Henry Cavill entre-temps, qui va enfin conclure son deal avec Warner. Voilà, et puis du coup, continuer sur une vibe Snyderverse.
Ou le reboot, ce que souhaitent aussi pas mal de gens. Hein. Beaucoup de gens souhaitent le reboot, dont nous, évidemment. Alors, ça moi, va. Le premier. Je suis prêt à parier que j'étais le premier à le souhaiter. Peut-être en France. Oui, sûrement. Dans le monde entier, ouais. Je sais pas, mais ah en bah, France, en tout cas... Je sais pas, mais... T'es le premier ou un des premiers? Oh, je pense, ouais. Je pense. Le premier du YouTube Game, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, il y a moyen, ouais. Le premier du YouTube Game, c'est Prince. Il y a moyen. Je sais même plus si je l'avais dit dans la première vidéo. Bah déjà, tu l'as dit en sortant de la salle. Ah oui, en sortant de la salle, d'accord, oui. Mais je veux dire, il n'y a pas de vidéo là-dessus, malheureusement. Non, bah non, oh, pour donner la ça preuve. Quelque chose. Hein, mais bon, en tout cas, vous pouvez me faire confiance, ce que t'es là. Il était là, reboot. Reboot dans la voiture. Il dit reboot. Reboot, oh, c'est mort. Il était attristé. Vous verrez, on n'ira nulle part avec ça. On n'ira nulle part avec ça, vous verrez, c'est mort. Ils ont tué le truc dans l'œuf. Sorry, mais... Force est de reconnaître que bon, l'avenir lui a quand même donné pas mal raison. J'ai pas rien, il y a qu'à regarder le film. Hein. Alors, bon, ceux qui ont vivé BVS vont dire oui, mais bon... Oui, mais bon quoi. Bon, bref. Non, mais bon quoi. Ah, fallait quand même laisser Snyder. Bon, bref, ça c'est le point de vue des Snyder fanboys, oui, c'est qu'il fallait quand même laisser Snyder continuer, même si le film avait divisé, c'était pas grave, fallait y aller. Bon. Alors, écoute, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais. Faut savoir voir le coucher de soleil aussi. Hein? Faut savoir voir quand la nuit tombe aussi. Parce que t'as dit midi à sa porte, c'est... la nuit est tombée. La nuit est tombée, faut aller se coucher. Ouais, mais bon, voilà. Donc bon, bah écoute, en fait, on a maintenant, il faut voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, là, toutes les décisions qu'ils vont prendre, là, de toute façon, on en verra les effets que d'ici peut-être 2 ans. Évidemment, les effets ne seront pas immédiats. Là, déjà, il va falloir sortir tous leurs films, hein, donc les 4 films dont on a parlé. Et c'est d'ici 2 ans, du coup, qu'on verra du coup le résultat des premières décisions. Bon, on devrait entendre parler des décisions qu'ils vont prendre, de toute façon, dans les prochains mois. Ouais. Ça, c'est clair. Mais vraiment, les films qui vont résulter de toutes ces décisions-là, ce sera que dans 2 ans. Et là, les 4 prochains films qui sortent, là, DCU, donc Flash, Aquaman, Shazam et Black Adam, c'est des films vraiment de Warner Bros, quoi. Mmh. De l'ancien Warner Bros. Warner Bros. Discovery, on aura leur film que dans 2 ans. Et puis le studio, du coup, qui sera mis en place pour DC. Ouais. Donc, on verra quelles seront leurs premières décisions. Moi, j'ai hâte de savoir ça. Ouais, bah, j'ai hâte aussi. Hein. Les premières décisions prises, les premiers films qui vont mettre en chantier. Alors, moi, je croise les doigts, mais évidemment, vous le savez, je croise les doigts pour l'homme d'acier. Hein. C'est celui qui a le plus besoin d'un film parmi les personnages qu'il a cités. De toute façon, là, les personnages qu'il a cités. Non, mais à partir du moment où il a sorti ça. Et puis de toute façon, à partir du moment où tu recommences un nouveau truc, Superman, ouais, on va refaire un nouvel univers, on va faire un film Green Arrow, non, on va te faire foutre. Non, tu recommences un nouvel univers, un truc sur 10 ans, Superman, point. Je parle pas de je sais pas qui en premier, en plus de voir quelqu'un d'autre en premier. Donc éventuellement, surprise, Martian Manhunter, mais le truc il sort nulle part, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais non, c'est Superman ou rien. Superman, de rien, faut rien entendre d'autre. Et puis c'est celui qui a le plus besoin d'un film. Bien sûr. Parce que Batman, bon, il en soit, même si il y a des apparitions dans tous les films. Quand bien même il partirait sur une idée de reboot, quand bien même, et qu'il faudrait réintégrer un nouveau Batman et tout, il a pas besoin d'un film direct. Tu vois, parce qu'au final, ça reste Batman. Là, on l'a rodé, ce personnage. Non, c'est bon. Avec le dernier film sorti, il n'y a pas besoin de raconter les origines. Hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. Wonder Woman, bon, bah, elle a eu son film. Elle en a même eu 2 ces dernières années. On va dire, oui, Wonder Woman 84, c'était de la merde. Mais quand même. Grosse merde. Oui, non, bah, c'est sûr. Grosse merde. Parce que j'imagine pas la décision qu'il aurait prise à l'époque s'il avait vu ce truc-là. Ça, bon, il aurait... ça méritait d'être cut. Alors après, je sais plus combien avait coûté le film aussi, parce que bon, ça rentre aussi en ligne de compte. Ça. Ouais, mais je sais pas combien il a coûté, mais on n'aurait pas cru qu'il avait coûté aussi cher que ça, vu comment il était dégueulasse. Waouh. Donc bon, voilà, mais bon, bref. En tout cas, elle a eu ses 2 films. Donc ça urge pas non plus pour Wonder Woman en soi, même si tu veux faire un reboot, même si tu veux... Voilà, donc bon, parce que ça c'est pareil, d'ailleurs j'en parlais il y a pas longtemps avec les gars, donc Morpheus, David, John,
je leur passe le bonjour. Moi, ils me disaient, par exemple, Wonder Woman et Aquaman, c'est deux personnages qui sont peut-être difficiles à rebooter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Gal Gadot et Jason Momoa sont les visages des personnages. Est-ce que c'est sûr? Non, Wonder Woman... Je vois déjà des gens sur Internet en train de parler d'un, de recaster le personnage, tellement ils en ont plus rien à foutre. Que... Et Aquaman... Jason Momoa, pour moi, ça n'a jamais été le visage du personnage. Même dans les comics, ils ont pas forcé au point de retravailler le design du personnage. Mais tu peux pas faire ça. Parce qu'il y a des fois, ils le font avec certains personnages. Changer l'ethnie d'un personnage parce que dans les films, il ressemble à ça, tu vois. Non, bah là, non, Aquaman, c'est Aquaman. Jason Momoa, ça va, 5 minutes, c'est bon. Non, clairement pas. Non. Et puis, si d'en donner, ils refont un nouveau... Jason Momoa, pour moi, c'est vraiment le mec... les gens qui vont surtout se rendre compte qu'il est plus là, s'il devait y avoir un reboot à un moment donné d'Aquaman. Bah, ce serait surtout, encore une fois, l'agente féminine qui est derrière Jason Momoa en mode... voilà, tu vois, on aura compris. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Mais est-ce que les autres gens sont... Être le visage d'un personnage après... deux films et demi, non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. De toute façon, pas tout le monde qui a vu Aquaman, c'est pas tout le monde qui a vu Wonder Woman, par exemple. Dans notre microcosme de comic fanboy, là, comic book movie fanboy, non. D'accord, ok. Presque tout le monde a vu ces films-là. On sort de notre bulle. Aquaman, quand même plus. Hein. Faut se rappeler quand même qu'Aquaman a fait le milliard. C'est pas parce que t'as fait le milliard que tout le monde a vu ton film. Non, pas tout le monde, mais bon, énormément de gens. Oui, énormément de gens, mais ça change pas le fait qu'il y a plein de gens à cette heure-ci. Il y a plein de gens à cette heure-ci qui n'ont jamais vu BVS, Superman, Man of Steel, ou Aquaman, tout ça. Mais donc, c'est pas le visage. C'est pas le visage. À cette heure-ci, il y a des gens, tu leur demandes s'ils ont vu un film du MCU, autre chose. Voilà, là où je te rejoins, c'est qu'Aquaman, honnêtement, même s'il a fait le milliard, certes, mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment marqué les esprits. Tu vois. Non. Il a pas marqué les esprits. Je veux pas dire que c'est un faux milliard, le film il a fait son succès et tout, d'accord. Mais il y a des films qui ont moins de succès financier, qui ont beaucoup plus marqué les réseaux sociaux par exemple, tu vois. Qui ont plus abouti à certains mèmes ou certaines références ou je ne sais quoi. Tu vois. Par exemple, Batman il a fait moins. Il a largement plus marqué les esprits que Aquaman. On va pas commencer à dire je sais pas quoi. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, Aquaman, il a beau avoir fait un milliard, ce n'est pas un film qui a marqué les esprits des gens comme d'autres films ont pu le faire. Non, je suis même persuadé qu'il a moins marqué les esprits que Suicide Squad, déjà. Premier du nom. T'as peut-être raison. Bah, bien sûr. Parce que c'est pas les mêmes personnages. C'est pas, les gens, ils faisaient pas des cosplays de Aquaman pour Halloween. Hein. Non, mais ça, là, les mêmes et toi. Tout ça, là, Aquaman, d'accord, il a fait son succès, il a eu quelques bonnes critiques, les gens n'ont pas détesté le film, mais il n'a pas marqué les esprits au point où Aquaman, c'est le visage du personnage. Aquaman, c'est le visage du personnage. Bah, Aquamomoa, si tu veux. Mais demain, s'ils font un reboot de Justice League, ils peuvent déjà très bien se passer d'Aquaman. Hein. Honnêtement, Aquaman, il est pas nécessaire au line-up de la Justice League d'entrée, tu vois, j'entends. C'est pour ça que je dis ça. Genre, si jamais ils font un reboot, c'est pas genre le mec, ils vont se dire ah non, mais il faut absolument remettre Aquaman. Déjà, ça a été une blague pendant je pense, non. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'il arrive vite dans l'univers. Faut pas prendre les gens pour des pigeons. Parce que, bon. Il va se passer des dingueries, des invasions et je sais pas quoi, l'autre il est là, c'est maintenant que j'arrive parce que. Puis encore une fois, faut le rappeler aussi, même d'un point de vue financier, le premier a fait 1 milliard quand même. Donc c'est quand même que les gens ont quand même été intéressés par l'univers que proposaient les trailers, tu vois. Les gens ont été parce qu'ils ont dit c'est cool, hein, le monde aquatique, machin. Il y a eu quand même un intérêt, donc bon, tu dois quand même le rebalancer. Aquaman, ça reste un nom. Maintenant, de là, elle fout direct dans la line-up de base de la Justice League. C'est ce que je dis. Tu refais un roster Justice League, tu peux très bien te passer d'Aquaman. Ils ont eu l'audace de se passer de Green Lantern. Au profit d'Aquaman et de Cyborg. Alors, Aquaman, c'est bon, il protège. Il protège. Et revenir plus tard, évidemment.
Mais ouais, tout ce que Zaslav a pu dire, là, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Mais j'attends de voir. Bah, comme faut on pas dit... s'avancer, quoi. voilà, comme on disait la dernière fois qu'on a parlé de ce qu'il disait, parce qu'on était déjà content de ce qu'il avait dit la dernière fois. Oui, parce que c'est des trucs simples. Voilà. Et là, en fait, on est content, mais maintenant, c'est clair que ça reste que des propos de commercial, quoi, de communicant, de C'est chef ça. d'entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, il dit les choses il savait très bien en disant tout ça qu'il y a plein de gens qui diraient « Ah, bravo! » Il le Non, savait. mais voilà, Il le savait. Il n'est pas fou. Il a réfléchi à ce qu'il devait dire avant avec son équipe. Ils se sont dit « Si tu dis ça, il y a plein de gens qui vont être contents, tu vois. » Bon, déjà, je pense que... Après, par contre, sincèrement, je pense qu'ils ont conscience qu'en fait, que c'est ce qu'il faut faire. Déjà, voilà. Mais en plus de ça, ils se sont dit, si on le dit officiellement, voilà, toi le nouveau boss, tu dis ça, les gens vont être contents, ils vont dire, ah, ça y est, DC va peut-être être en bonne main et ça va peut-être créer une hype. Et ça marche. Honnêtement, ça marche. Parce que quand tu vois les réactions des gens en général, c'est quand même, ah bah, enfin, bien, tu vois, donc, Parce qu'on est dans c'est une bien. phase où ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Mais bon, les gens, ils sont... On fait du sur place, Il on y a fait du déjà, sur place. il y a plein de gens qui sont blasés du fait que ça avance pas, leur machin. Non, Les gens, ils sont blasés du fait que ça fait 4-5 ans que c'est trop du cul de chez Warner Bros. Ils sont là, ils se disent, oh, on sait pas quoi faire avec Superman. Les gens, ils se disent, mais... C'est sérieux, là? Non, mais même si t'es pas un gros fan de Superman, les gens, ils se disent, mais... À côté, ils font des ratons laveurs et tout. Vous arrivez pas à faire Superman, qu'est-ce que vous racontez? Donc oui, il y a des gens, forcément, ils sont contents. Et puis, honnêtement, il y a des gens, ils en ont absolument rien. Non, encore une fois, je le dis, je le répète. En dehors du microcosme Comics Book Movie, Fanboy et tout ça, il y a des gens, ils en ont absolument rien à foutre de l'univers DC. L'univers DCU, le Snyderverse, pour le grand public, ça parle pas à tout le monde. Ah oui, non, bien C'est ce que sûr. je disais tout à l'heure. Il y a des Bien gens, ils sûr. ont jamais vu les films. Ah, bien sûr. Je parle à des collègues, ils me disent, ah ouais, putain, il y a un film Batman Superman. Donc, bah, moi, Ah je tombe des nues parce que je me dis, bah forcément, moi je l'ai vu, mais bon, il date de 2016. De combien? 2016. 2016, ouais. 2016 maintenant le film. Forcément, il y a des gens, ils l'ont pas vu. Et ils en ont rien à foutre. Ou alors il y a des gens aussi. Il y a aussi. J'ai remarqué ça aussi, par exemple, avec Man of Steel. Bon, alors Man of Steel, il y a encore moins de gens qui l'ont Encore vu. pire. Voilà. Mais il y a des gens qui l'ont vu aussi, j'ai remarqué. Mais que quand je leur en parle, c'est genre. Ouais, ils s'en souviennent pas. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. genre, ouais, je l'avais vu, mais. Oui, voilà, ils l'ont vu une fois. Il y en a, et ça se trouve, ils l'ont même pas vu au cinéma. Voilà, C'était tu pas vois le ce que je même veux dire. buzz que moi. Enfin, c'était à l'époque, le buzz, c'était pas ça non plus. Hein. C'est genre, tu venais de sortir de la folie, enfin, de la Avengers Mania. Man of Steel, il a débarqué. Bon, c'était sympa pour les comics fanboys de DC, mais ça n'a pas marqué les gens non plus. C'est pour ça, là, faut sortir. Henry Cavill, pour le coup. Ça, c'est une remarque aussi que je me suis fait l'autre fois, c'est que malheureusement, Henry Cavill, encore une fois, on en parle beaucoup, comme tu dis, dans notre geekosphère, Il y a plein de gens tu qui savent vois. pas qui c'est non plus. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas non plus la plus grosse star d'Hollywood, je sais pas quoi, il y Mais a plein non. de gens qui ne le connaissent pas. Et puis, la vérité, c'est que en tant que Superman, il n'a pas marqué les esprits non plus, hein. Mais non. Alors on va pas se mentir, hein, aujourd'hui on peut pas dire Henry Cavill est le visage de. C'est pas vrai. Bah, clairement pas, non. C'est pas Enfin, le visage de Superman, c'est pas vrai. dans Ce qui est paradoxal Bah, c'est parce ce que. qui m'énerve en fait. C'est C'est ce qui m'énerve. Parce paradoxal que. parce que le mec a la gueule de Voilà, l'emploi. tu vois le mec, tu le vois en Mais. costume, tu dis bon. Voilà, t'es né pour ça. L'alignement d'étoiles a fait que ton code génétique fasse que bon, tu ressembles parfaitement à cette version du personnage qui date de 1938, 36. Voilà. Oui, 38. Tout Ouais, bah, 38. excuse-moi, je vais leur donner 2 ans de plus. Mais oui, il y a des gens, ils en ont rien à foutre de qui c'est. Henri Cavill, ils savent pas. Ils savent pas. Parce qu'au final, il a pas de si grand su succès d'estime à son compteur. Là, si les gens ils le connaissent plus, là, c'est à cause de The Witcher, par exemple. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, bon. Puis à quoi? Enfin, Jason Momoa, si les gens ils le connaissent maintenant aussi, c'est pas grâce à Aquaman. Hein. Non, non, Il avait déjà son succès de base. Clairement, Game of Thrones. Il a, il a, voilà, il a redonné, enfin, il a reçu un petit pic d'intérêt en plus avec Aquaman, mais ça change pas le fait que c'était déjà une star juste avant, quoi. Donc, faut rebooter ce machin. Faut rebooter ce machin. Sinon, on va encore perdre du temps. J'ai déjà perdu 10 piges.
Eh, mais ça, bon, voilà, ça, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus, hein, évidemment, Sûr. entre ceux qui, entre ceux qui ont envie de renouveau et qui ont envie de passer à autre chose et de tourner la page, et ceux qui veulent le retour de Snyderverse, bon, voilà, enfin, le retour, ou comme vous voulez, Oui, la suite du Snyderverse. retour, suite, continuation, comme vous voulez, peu importe, mais bon, voilà, tu vois. Non, mais faut rester lucide aussi. Il y a encore quelques années, même si la discussion me chagrinait fortement, je me disais, ouais, bon, au moins on n'a pas tant perdu tant de temps que ça, il y a des trucs, c'est encore jouable, vous pouvez faire votre truc si vous voulez, j'y regarderai pas, il n'y a pas de problème. Alors que là, c'est bon, faut Là, passer à autre là, chose, là, là, et il y a là une qui va. partie de ton univers, il n'existe plus. Il n'existe pas, c'est compliqué de reprendre Ezra Miller. Comment il s'appelle là? Jared Leto, c'est mort. Ray Fisher, c'est mort. Amber Heard, c'est mort. Tu vas aller où avec la suite là? Tu recasses tout le monde? Le retour de Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Non, mais la plupart du cast, ils ont pas fait l'unanimité en plus. Tu veux faire quoi? Puis en plus, les gens, ils vont avoir leur Snyder Cut, ils vont leur demander un Ayer Cut, les exigences par-ci, par-là. Oh, c'est bon, c'est bon. On en a soupé. Genre, vraiment, ils vont regarder le truc. Vont... Déjà, ce truc-là, à 90 millions, ils l'ont payé. Parce que bon, voilà, on va faire des économies ailleurs. Ils ont cut des trucs, genre Scooby-Doo, le film Scooby-Doo, s'il te plaît. Ils ont cut des trucs comme ça, et ils vont regarder le projet. Déjà, même HBO Max, là, c'est bon, c'est fini aussi, ce truc-là. Oui, ah bah, ça fait partie justement de la restructuration. Il en a parlé. Il a dit en fait, parce que le délire, c'est qu'il y a HBO Max, donc bon, la plateforme de streaming, et aux États-Unis, il y a aussi HBO. HBO qui est Oui, donc la la chaîne qui est chaîne là du depuis des câble. années et des années, quoi. Voilà, la chaîne du câble. Mais en fait, les deux plateformes, apparemment, vendent à peu près le même contenu, Logique. de ce que j'ai Ouais, compris. t'as HBO, t'as HBO Max, en Voilà, vrai. sauf que c'est deux entités différentes, avec deux bâtiments différents, deux équipes différentes, en gros, qui gèrent les deux trucs. Et en gros, Zaslav, il est arrivé, il a dit, c'est quoi cette Non connerie? mais oui. C'est non, Parce c'est incroyable, c'est qu'apparemment, incroyable. les carrés, ils sont perdus avec ça. Ils disent, mais... Ouais. Donc, parce qu'en gros, il y a des gens qui ont HBO, je veux dire, au câble. Ouais. Puis il dit, mais du coup, HBO Max, ça sert à quoi, C'est tu ça, vois? C'est quoi? non. Par contre, un abonnement à un truc, Ça donne à moins quoi, tu qu'il l'ait vois? déjà en. Je sais pas s'ils l'ont en bonus ou pas. Oui, apparemment, il On peut y sait déjà ça. avoir, genre, tu sais, un supplément, puis, ou un truc où ils donnent HBO Max avec, ou alors gratuit, ou Ouais, je sais bah, pas quoi. Si j'espère que c'est gratuit parce vous avez que. HBO, vous pouvez avoir HBO Max, ce genre de conneries, mais si c'est le même contenu, machin, Ça je sert à comprends quoi? pas. Donc, ouais, non, mais déjà, encore une fois, ça me sidère qu'il ait fallu que le mec il arrive pour que ils disent, enfin, pour que les mecs ils disent, ah oui, c'est vrai, finalement, on n'a pas tant bien réfléchi au truc. Ce qui ressort quand même de tous les commentaires qu'il a fait, même sur ça et tout, c'est que en gros, il a dit il y a énormément de marge de progression en fait. Apparemment, le mec, il est arrivé, Il est il a arrivé, dit il a été bon. subjugué par la médiocrité du truc, tu vois. Vous valez des milliards ou vous gérez votre business comme si on valait 100 000 dollars, c'est quoi ça? Vous avez deux bâtiments pour le même truc, qu'est-ce que c'est que cette perte d'argent colossale là? Des trous du cul ou quoi? Vous fusionnez, puis voilà, on va gagner de Non mais. l'argent. Je sais pas moi. Puis apparemment, en plus, je crois que j'ai entendu le coût qu'ils vont économiser. Oui, c'est sûr, même je l'ai entendu. Il me semble qu'ils vont économiser 3 milliards à fusionner les deux. 3 milliards. Il me semble que j'ai entendu ce prix-là, hein, ce coût-là. 3 milliards. Si fusionnent HBO et HBO Max, ou même, parce qu'il y a aussi le délire avec Discovery Plus, là. Voilà. Oui, en plus, oui. Voilà, Discovery Plus, du coup, qui était la plateforme de Discovery, qui veulent du coup Ouais. fusionner avec HBO Max. De ce que j'ai compris, c'est genre une économie de 3 milliards ou un truc Ça, comme plus ça, les tu 825 millions d'économies avec les films qui sont. Enfin, les projets, ils sont en train d'axer aussi. vois. Ça fait. Ça. Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est ça, il y a le chiffre qui est sorti, du coup, donc Warner, les économies qu'ils vont faire niveau taxes, du coup, avec tous les projets qu'ils annulent, là, qu'ils soient à la télé ou au cinéma, donc Wonder Twins et compagnie, ça leur fait des économies de 825 millions de dollars. Donc voilà pourquoi aussi ils sont bien contents aussi de Oui, se débarrasser de ce qu'ils doivent se. 80 millions, Hein? Voilà. 80 millions, c'est pas tant que ça au final, quoi, apparemment. Voilà, hein, bon. Non mais c'est vrai, non mais je suis en train de me dire, non mais le mec il a dû arriver dans un truc, il a dû péter les ponts. Hey. Qu'est-ce que c'est que cette gestion, mais
Oh putain, non, mais ils n'ont ne cesse que de me surprendre à chaque fois. Non, je pensais pas que c'était. Allez, disons qu'ils n'avaient de cesse. Ils n'avaient de oui, cesse. Oui, c'était l'équipe précédente. Ouais, c'était l'équipe précédente. Ouais, ouais, ouais. Parce que déjà, à la base, quand il y a eu un changement d'équipe entre deux, on s'est dit, bon, on va repartir sur des bases un petit peu plus correctes. Hein. Bah, que dalle, tant qu'on a perdu, on a encore plus perdu de temps et c'est trop du cul aussi. Et ça change parce que la vérité c'est que l'équipe avait pas changé tant que ça, non, tu vois. La vérité c'est quoi, bon oui, ils avaient peut-être changé deux têtes parmi les exécutifs, à la tête de DC Films à un moment donné, ils ont foutu Geoff Jones. À un moment donné, ils ont foutu Walter Hamada qui est arrivé, il y en a qui Walter Hamada qui a menacé de se barrer bientôt en plus. Oh, bah, il se barre. Ouais, bah, on s'en bat les couilles. Ouais, donc au final, ça changeait rien. Là, pour le coup, c'est vrai qu'énormément de gens sont tombés, là. Énormément de... Enfin, c'est clair que là, il a fait le ménage, on va pas se mentir. Il a fait le ménage. Là, c'est une nouvelle équipe. Il va y avoir un nouveau studio. Et comme il a dit, on va constituer une équipe. Il y a Alan Horn. Alan Horn qui a été là pendant quelques années, numéro 2 de chez Disney. Mmh. Qui a été le boss de Kevin Feige pendant des années. À cette heure-ci, il est chez Warner Bros, du coup. Donc... J'imagine, David Zaslav, il est pas con, il doit bien dire à Alan Horn, DC Films, il faudrait peut-être que tu donnes 2-3 conseils. Voilà. Parce que, étant donné que t'as participé à l'élaboration du MCU, donne-nous un peu de la magie, tu vois. J'espère que t'as retenu un peu des trucs de Kevin Feige, là. Balance. Balance-nous la potion. Ouais. Donc, bon. Voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a énormément de choses qui peuvent nous faire dire que. Les choses devraient changer. Franchement, les choses devraient changer. Je serais vraiment étonné, surpris si ça devait encore pas marcher. Parce que là, je dirais, non, mais là, mec, les mecs, qu'est-ce qu'il vous faut Non, mais là, si ça marche toujours pas. Là, mec, là, il faut un leader pour, du coup, le nouveau studio d'ici, l'équipe qui va aller derrière, et puis, du coup, des réalisateurs pour chaque projet, et donc un réalisateur même pour le film Superman, à savoir aussi qui sera ce réalisateur. Là, c'est pour ça que j'attends avec impatience tout ça. Hein, ouais, j'attends de voir tout mais ça. Mais non, là, faut avancer. Le projet HBO Max... Déjà, on va devoir encore attendre 2 ans. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, mais bon, pas le choix. Le temps perdu, vous vous rendez pas compte, et vous voulez encore plus perdre de temps. Perdre de temps avec du réchauffé. Du réchauffé, du remâché, du recraché. Là. Le truc Snyder Cut, finalement, le truc qui était censé porter HBO Max au firmament. Il y a eu plus de vues pour Godzilla contre King Kong. Quoi. Voilà. Bref, bah c'est bien pour ça aussi qu'ils avaient essayé de saboter le film. Mais le réalisateur de Godzilla et essayer de dire non mais c'est bon tranquille, il avait même apparemment il y avait un truc qui est sorti il y a pas longtemps comme quoi il avait même demandé à Snyder de rappeler ses troupes là. Snyder avait dit non, je ne maîtrise pas mes fans, ma fanbase n'est pas toxique du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Il y a des gens très bien dans la fanbase, comme dans toutes. Voilà, parce qu'on a des amis dans cette fanbase. Il y en a d'autres, putain. Nom de Dieu. Exécrable. Bref, donc bon, bah voilà. Écoutez, là, on a fait le tour, hein. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, donc maintenant c'est vraiment wait and see, hein. On attend de voir ce qui va se passer. Puis... J'espère tellement que ça va donner un truc propre là. J'en ai soupé, Moi je veux mon film Superman, mais pas n'importe quel film Superman. Non, le film Superman qui va rassembler, tu vois. Ouais. Le film Superman où vraiment la majorité des fans déjà de Superman vont être contents. Dire ah, c'est un bon truc, tu vois. Le film Superman qui fait l'unanimité, quoi. Et l'unanimité, pas l'unanimité, parce qu'un film fait jamais l'unanimité. Mais façon de parler, que ce soit la nouvelle référence. Voilà, quoi qu'on dise. Ah. La référence du 21e siècle, bordel. Voilà. Là, on l'a toujours pas eu. Donc pour moi, c'est l'unanimité à partir du moment où ça marche. Voilà, c'est ça. C'est vraiment que la majorité des gens disent « Ah, putain, ouais, non, il était bien, le film, là, c'était lourd. » Voilà. C'est ça, moi, en parler avec les gens, voir les gens en discuter, dire « Ouais, j'avoue, j'ai vu le dernier film Superman, c'était lourd, j'avoue. Oh, » Pourtant, d'habitude, avant, j'étais pas trop Superman, mais là, j'avoue, le film, il était lourd, machin. Et tout. Tu vois, moi, c'est ça que j'attends, c'est ça mon rêve. Ouais, I have a dream.
Putain, mais bon. Après, on verra. Non, mais oui, j'espère que vraiment, vraiment remettre DC sur le devant de la scène, quoi. Ouais. Que les personnages redeviennent iconiques, que la franchise ne soit pas des blagues. Donc que la concurrence, voilà, qui est une vraie concurrence pour l'autre côté. Qui est tout simplement une vraie concurrence. Voilà, parce que bon, merde. Ce qui pousserait même Marvel aussi à faire mieux, tu vois. Oui. Oui, parce que eux, ils ont le syndrome EA Sports, FIFA, PES, tu vois. quand il y avait de la concurrence, ça se donnait, tu vois, genre fallait faire le meilleur truc. Et depuis qu'il n'y a plus de concurrence, c'est mise à jour, tiens, ah ouais, ça c'est nouveau, ça c'est révolutionnaire, tiens, mange ta merde, là. 2 ans de suite, 3 ans de suite, 4 ans de suite. Non, ouais. Là, quand il y a de la concurrence, les gens ils te bougent le cul, tu vois. Alors que là, ils sont en train de se reposer sur leurs acquis. Mais pourquoi ils le feraient pas, tu vois, c'est ça le truc. Pourquoi ils le feraient? Parce que ça marche. Et le client est fidélisé. Le client est là. Voilà. Voilà. Donc forcément. Et il n'y a pas de concurrence. Ouais, donc bon, bah, écoutez, on va continuer. C'est eux les premiers fournisseurs. Ils ont assimilé l'autre. Enfin, ils ont assimilé la Fox. Il n'y a pas grand monde qui leur fait concurrence sur le côté. Spider-Man, c'est à eux. Non mais tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est pas eux qui vont venir concurrencer, quoi. C'est pas eux qui vont venir concurrencer avec Venom ou Morbius, apparemment. Non. Oui, voilà, ils vont pas se forcer plus que ça, ils vont sortir leur petit truc, ils vont arriver à la Comic-Con, sortir leur petite frise chronologique avec les quelques films, là, 2-3 noms, 2 trucs intéressants, on va dire, oh putain mais... Figgy à la D23, il va rebalancer quelques nouveautés, ouais, quelques dingueries, ouais, les gens vont faire... Ouais, le casting de Fantastic Four, on va dire, oh putain. Et voilà, et c'est parti, ouais. Bon, les X-Men aussi, il va pas annoncer le casting, mais il va de plus en plus parler des X-Men dans les mois et années à venir. Donc forcément les gens ils vont monter. Mm-hmm. On n'est pas à l'abri aussi de moi je m'y attends, t'es des retours de Steve Rogers machin ici et là, je m'y attends, faut s'y attendre à ça, tu vois. Encore une fois, voilà, pas en personnage récurrent, mais... Non, juste pour le délire du multivers. Voilà, ou ponctuellement. Ouais, bon, voilà, le simple fait qu'ils aient leur multivers, c'est la porte ouverte à tout, tu vois, donc ils peuvent tout faire. Ouais. Puis au moins, ça a été travaillé. C'est pas comme les autres, là, ils ont même pas un univers cohérent, ils parlent de faire un multivers avec un univers, avec un film. Casse-toi. Donc ouais, c'est bon. On attend de voir. Donc on attend, donc bon... Évidemment, like sur la vidéo, les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de toutes les news là qu'on a eues sur DC Films, on peut encore les appeler comme ça. Et puis Warner Bros. Discovery en général. Et puis voilà, dites-nous si vous êtes hypé. Dites-nous, encore une fois, si vous attendez le reboot d'ici les 2-3 prochaines années, si vous attendez l'annonce d'un reboot. S'il y a annonce d'un reboot, on n'aura pas d'annonce. Même qu'ils voudraient faire un reboot, on n'aura pas d'annonce dans l'année à venir. Parce qu'il faut sortir des... Oui, voilà. Parce que ça, faut bien être conscient qu'ils doivent sortir leurs films quoi qu'il arrive. Toi, ils ont investi de l'argent. Donc voilà, les 4 films qu'ils doivent sortir, là, ils vont les sortir. Et même si un reboot était en préparation, ils en feraient l'annonce officielle qu'après la sortie de The Flash. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, dites-nous si vous êtes pour ça. Dites-nous, alors, peut-être... Êtes-vous pour le Snyderverse, pour le restore de Snyderverse? C'est la continuation de Batfleck, de Aquamomoa, Gal Gadot et compagnie. Et toujours pour Henri Cavill. C'est pour ça que je le dis pas, on est sûr de rien. C'est pour ça que je le dis pas. Snyderverse, c'est toujours pour Henri Cavill. Ouais, mais bon, il y en a après, les gens qui veulent le retour du Snyderverse tablent aussi sur le retour d'Henri Cavill, évidemment. Donc, bon, voilà. Donc, bon, bah, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Surtout, voilà, moi, c'est toujours mon point de vue, c'est qu'est-ce qui serait le mieux aujourd'hui pour DC? Voilà. C'est qu'est-ce qui serait le plus... Ouais, le... Où se place l'intérêt de l'univers et des personnages? Voilà. Moi, c'est juste ça, moi. Ouais. C'est la logique que j'essaie d'avoir. La question, elle est vite répondue, hein, comme dirait. Alors... Enfin bon bref, du coup, lâchez vos commentaires. Allez, tchou.